C'est une boisson certifiée halal parce que nous avons, en ramenant Boss au niveau de la Côte d'Ivoire, pensé à pouvoir toucher à toutes les religions. Et Boss aujourd'hui est une boisson qui n'est pas du tout agressive, qui contient moins de caféine et vraiment moins de mots en réalité pour satisfaire la population ivoirienne. Aujourd'hui, c'est après étude du besoin réel des Ivoiriens que nous avons pu ramener Boss au niveau de la Côte d'Ivoire. Le produit, c'est vrai, le produit parle de lui-même. Voilà, je pense que nous avons étudié le rapport qualité-prix. Et il faut dire aujourd'hui, avec le prix que nous avons donné officiellement, je pense qu'on a un truc, mais pour la qualité, je pense qu'on devrait normalement vendre plus cher. Et quand vous prenez, comme je l'ai dit, nous allons surtout sur l'agressivité du produit. Aujourd'hui, nous avons plusieurs produits en Côte d'Ivoire, mais c'est pas évident d'avoir ce goût que Boss a et d'avoir vraiment les qualités qui sont au sein de Boss. Je suis sûr d'une chose, quand c'est bon, c'est bon. Voilà. Et je pense que Boss, c'est pour les Boss. Quand on aspire à être Boss, je pense qu'on consomme parce que tout ce qu'on fait, c'est sur la durée de vie. Je pense que nous, pour même que ce soit le premier mérite d'un entrepreneur, faut le dire, c'est sa santé. Et nous prévoyons de faire de cette Côte d'Ivoire une jeunesse qui entreprend, mais qui consomme des produits sains. Et c'est ça. Aujourd'hui, le grand mal que nous avons au sein même des différents pays au sein de la Côte d'Ivoire, ce sont les maux des produits que nous consommons. Et aujourd'hui, il faut dire, au-delà de l'entrepreneuriat, au-delà du chiffre de vente, nous devons aller sur la qualité même du produit. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que aujourd'hui, en parlant de boissons dans ce type, on ne parlera que de boss. C'est pour dire juste à la jeunesse ivoirienne que nous avons la possibilité ici de ramener beaucoup de choses. Mais faisons surtout attention à ce que nous ramenons. Parce qu'il faut servir, mais il faut bien servir la population ivoirienne. Voilà, je vais m'arrêter là. Bonne chance à la jeunesse gagnante, parce que je suis sûr que l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est aussi Boss.